Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes à la dernière semaine. Pour finir ce premier MOOC de physique proposé par l'Observatoire de Paris, nous abordons les aspects énergétiques de l'électromagnétisme. La conservation de la puissance, la définition de l'énergie électromagnétique, ainsi que du vecteur de Poynting. Cette partie est peut-être la plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, le cours est bref. Il y a une vidéo d'une dizaine de minutes, suivie par d'autres vidéos qui proposent des applications permettant de comprendre ces aspects énergétiques. Bien sûr, il y a également des exercices et des problèmes. Cette semaine, Jean-Marie Malherbe vous propose le dernier direct portant sur le chapitre électromagnétisme B, le mercredi 8 février à 16h. Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le forum. Concernant le forum, il est à noter un fil de discussion qui a battu le record du nombre de messages. En effet, il y a eu 57 messages pour la notation à 70% de Groumi. Pour ceux qui ont suivi ce fil de discussion, vous pourrez remarquer dans votre onglet Progression que tout est rentré dans l'ordre, comme prévu. Nous évitons donc une attaque de tardigrade, et bien qu'ignorant concernant ces bestioles, nous pensons que cela est mieux ainsi. Par conséquent, vous êtes maintenant potentiellement nombreux à avoir atteint les 70% et donc le droit à l'attestation de suivi avec succès. Pour les autres, vous avez jusqu'au 24 février pour effectuer évaluation, exercice et problèmes et ainsi obtenir l'attestation, sésame pour une rencontre à l'Observatoire en juin. Pour terminer, nous vous proposerons à partir de vendredi soir un questionnaire d'évaluation concernant ce MOOC. Merci de prendre le temps de le compléter, il nous permet d'améliorer nos cours. Nous vous diffuserons les résultats de ce questionnaire via la plateforme. Bonne semaine à toutes et à tous !